Épuisé et blessé, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Des paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Vélène. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Je reviendrai. Laissez-moi me reposer. Je reviendrai. Laissez-moi me reposer. Poursuivre son dessein. Bonjour. Vous tombez à pic. Mes bons amis, ne tremblez plus. Voyez notre protecteur qui s'avance. Nous invoquerons bientôt les âmes en peine. Certaines seront au-delà de toute rédemption. Charge à vous de nous en protéger. Jusqu'à la fin du rituel, préservez-nous des créatures maléfiques. Allez-y. Protégez-nous et empêchez quiconque de pénétrer dans le cercle. Triste vie, triste sort. Le tourment jusqu'à la mort. Même dans le trépas. Maître de son destin. Le mort se relève. Poursuivre son dessein. Accordez à ses âmes le repos éternel. Accordons le repos. Un orage, il ne manquait plus que ça. Ainsi commence la veillée des ancêtres. Toi qui erres dans la nuit, prisonnier de tes chaînes, entends notre prière, réponds à notre appel. Le silence est brisé. Le silence est brisé. Un esprit qui s'avance. Approche, esprit. Approche et cesse ton errance. Prends la parole, esprit. Révèle tes tourments. Voulez-vous que je le repousse ? Non. Je viens pour toi, parricide. Quitte ce lieu, esprit maléfique. Crains la lumière du feu éternel. Abomination. Arrêtez ça tout de suite. Les âmes errantes, elles ont besoin d'aide. Silence. Aidez-moi. Partez, vous perturbez le rituel. C'est de la magie.
Nous ne laisserons pas ces gueux troubler le sommeil des morts. Vous ne connaissez rien de leur tradition. Arrêtez-le et dispersez tous les autres. Mes bons amis, ne fuyez pas. Ne brisez pas le cercle. Le sort s'acharne sur nous. Le sol consacré est souillé de sang. Hélas, il est trop tard pour tout arrêter. Si vous voulez continuer, je suis prêt. Mes amis, préparez-vous. La veillée n'est pas encore terminée. Réponds à notre appel. L'heure du jugement est proche. Heure funeste, nuit funèbre, qui s'avance dans les ténèbres. Sentons ta présence. Entre dans notre cercle. Heure funeste, nuit funèbre, qui s'avance dans les ténèbres. Des spectres. La terre sacrée est souillée de sang. Nous ne pouvons pas finir le rituel. Fuyez, braves gens. Si vous tenez à la vie, sauvez-vous. Hélas, tout est perdu. C'est sans doute un paysan qui a averti les chasseurs de sorcières. L'esprit que les chasseurs ont fait fuir. C'était votre père, n'est-ce pas? Il va probablement revenir. Le chaman ne craint pas le vieux Ambrose. Le spectre vous a traité de parricide, c'est vrai? Oui. Si vous voulez que je vous aide, vous devez tout me dire. Pourquoi avez-vous tué votre père? De cela, le chaman ne parlera pas. Vous ne vous en sortirez pas tout seul. Vous avez peur du spectre, c'est clair. Vous êtes sous son emprise. Écoutez, je vais m'occuper du spectre. Je n'ai pas le choix. Mais pour ça, je dois savoir où son corps est enterré. C'est probablement son lien avec le monde des vivants. Le corps d'Ambrose est dans les marais. Très bien. Laissez-moi faire, je m'en occupe. Le ciel se dégage.
Ouroboros est encore bien conservé. Même à l'endroit où le chaman lui a fracassé le crâne. Je vais brûler le corps. Ça devrait suffire pour chasser le spectre. Ouvre la paix, esprit, et quitte à jamais le monde des vivants. Hé, monsieur, approchez pas du brouillard si vous tenez à la vie. Attention, messire. Un monstre rôde dans les marais. Surtout, n'entrez pas dans le banc de brouillard. Je peux vous aider, mais pas gratuitement. Bien sûr, bien sûr. Toute peine mérite salaire, non ? Bon, je vais me mettre au travail. Où est le monstre ? Au sud, pas loin d'ici. Mais attention à vous. L'air des marais est toxique. Il pique les yeux et brûle la gorge. On a l'impression d'avoir avalé des ronces. Différentes traces de griffures. Ils étaient plusieurs. Les empreintes ont été effacées par magie. Ça commence à devenir intéressant. Ce n'est pas un brouillard ordinaire. L'odeur est presque métallique. Il n'a même pas eu le temps de sortir son arme. Le monstre lui est tombé dessus sans prévenir. C'est sans doute un vieux brumelin, caché derrière une illusion. Je devrais utiliser l'œil de Néaleni.
Il y a quelque chose ici. L'artefact que Kera m'a donné. Sont les nouvelles? Le monstre est mort et le brouillard est dissipé. Ah, vous nous avez rendu un fier service, sorceleur. Tenez, voici votre récompense. Merci encore et bonne route. Vous avez déjà mangé de l'écorce? Moi, je chie les échardes maintenant. Vous regardez quoi? Arrêtez-moi, s'il vous plaît.
l'eau sage, quels sont vos désirs? J'ai trouvé le corps de votre père. J'ai dû le brûler. Vous avez bien fait. Il serait revenu me hanter, c'est sûr. Le spectre ne reviendra plus. Merci, sorceleur. Tenez, voici votre récompense. Et si un jour vous avez besoin d'herbe ou de remède, le sorceleur... Je vous ferai un prix d'amis. Je suis allée chercher des brindilles dans la forêt. Des cauchemars. Tu n'as pas entendu le chasseur? Un monstre rouge dans le chou. Je viens pour le contrat. Vous avez un problème, on dirait. Des tombes ont été profanées. Si c'était que ça. De temps en temps, une sale bête vient rôder près du cimetière. Dévore un macabé, tout frais, et s'en va. Ça a commencé, il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, traîne pas dehors la nuit, et barre bien ta porte. Mais voilà qu'un marmot a disparu. Au cimetière? Non, au village. Le pauvre gosse. Jamais il serait venu ici tout seul. Et cette nuit-là, j'ai entendu comme pleurnicher. Et vous n'avez pas jugé utile de sortir vérifier? J'ai l'air d'une buse? Les monstres, je laisse ça aux sorceleurs. Parlons un peu de ma prime. C'est encore un peu cher, mais on se rapproche, on se rapproche. Le marchandage, c'est tout un art, vous ne savez pas? Ouais, ça me semble équitable. Et je m'y connais, croyez-moi. Je vais tâcher de voir ce qui s'est passé.
ghouls profanent une tombe, l'odeur de putréfaction attire les chiens sauvages. Mais ni les ghouls ni les chiens n'enlèvent les enfants. La terre a été retournée, mais sans outils. On a creusé à la binette. Non. Voilà des traces de griffes. La terre a été retournée, mais sans outils. La tombe a été retournée, récemment. Pour autant, l'odeur de cadavérine est ancienne, rance. Où va me conduire cette puanteur ? Celle bête qui vit ici, la créature utilise des outils pour sa tanière. Elle est donc intelligente, ou au moins habile. Quelqu'un a cuisiné. C'est un fémur humain. Un fémur d'enfant. Des crânes humains dans un cercle magique. Le monstre les utilise pour puiser des forces du site d'énergie. Sûrement une guenote sépulcrale. Elle utilise les crânes pour puiser l'énergie. Cela l'a rendue suffisamment sûre d'elle pour s'aventurer au village. Il doit prendre les crânes pour l'obliger à retourner au cimetière. Je lui tomberai dessus là-bas. Voilà qui devrait l'énerver. Il ne reste plus qu'à patienter au cimetière. Elle s'y rendra sûrement à la nuit tombée.
voleur qui pique mes crânes. Mes crânes à moi. Il a qu'à déterrer les siens. Et la voilà. C'est possible. Maître Sorceleur. Je viens pour le contrat. Et ? Problème réglé. C'était une guenaude sépulcrale qui profanait les tombes. Et qui a enlevé le petit. Je vois. Et comment va le marmot ? L'enfant est mort. Je m'en doutais. Et ma récompense ? Oh, j'ai pas oublié. Tenez, en vous remerciant pour le coup de main. Adieu. Allez faire pleurer le colosse. Ouais. Tu veux que je te botte le cul ? Gare à toi, ce putain. Pourquoi tu sens cette lame ? C'est gare, prison. Une bolée de cidre ? Allez cailler ?
J'ai pas grand chose à vous vendre, mais en tout cas, il y a que du bon. Montrez-moi ce que vous avez. Au revoir. Les rappelés préventifs, tu connais, face de Fion. Range-moi ça. C'est la bagarre, c'est ça. Hey, toi. Allô, Ablette. Ha ha ha!
Allez,